Prends ta place dans nos vies, Seigneur. Prends ta place, ô roi des gloires, dans cette église. Prends ta place, ô Dieu. J'entends quelqu'un en train de dire au Seigneur, prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans ma famille. Prends ta place dans l'adoration de ce matin. Prends ta place, Seigneur. Il est possible que tu donnes trop de la place à toi-même, trop de la place à ce que tu veux avoir, mais oh, ce matin, que Jésus prenne la place. Alléluia. 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 Yeah.
Chalalabasa. Esprit, 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 esprit. Au milieu de nous, nous t'acclamons, esprit, 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 esprit. Nous t'acclamons, esprit, esprit. Nous t'acclamons, cher Saint-Esprit, au milieu de nous. Esprit de guérison, esprit de paix, esprit de consolation. Shaba Santa Yaba Sheba Narabas. Esprit. Chant Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, Esprit d'adoration. Nous t'élèvons, nous te bénissons. Merci de nous avoir orientés. Merci, Père éternel, de nous parler ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, sois sûr que tu es en train d'acclamer pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu, acclame, 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 acclame. Acclame, Esprit, pour l'Esprit du Seigneur qui est au milieu de nous. L'Esprit qui est au milieu de nous, ce n'est pas l'Esprit de timidité. Ce n'est pas l'esprit d'abattement, mais c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de consolation. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Bénis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux mieux le faire? Sous la mouvance de l'Esprit du Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Restez debout, nous allons lire la parole et nous allons continuer avec notre enseignement si riche. Nous vous saluons tous ceux qui nous suivent en live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez aussi embrasés par l'Esprit du Seigneur qui est en ces lieux. Galates, chapitre 4. Alléluia. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Le verset premier. Galates, chapitre 4, le verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. La Bible dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Nous sommes en train de parler de porte d'accès d'une bénédiction à l'église. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un le porte d'accès d'une bénédiction à l'église? Dis-le bien à l'église. Les portes d'accès d'une bénédiction à l'église. Le dimanche passé, l'orateur nous a prêché, nous avait prêché sur l'humilité. Alléluia. Il a dit l'humilité permet à ce que nous puissions élargir nos lintons afin que le roi des gloires fasse son entrée. Alléluia. Lorsqu'on parle de la bénédiction, les gens pensent comme si ce sont des grandes choses qu'on doit expliquer, mais ce sont des fois de petites choses au quotidien que nous vivons qui peut nous permettre de vivre la bénédiction ou de ne pas vivre la bénédiction. Alléluia. La Bible ajoute, un cœur humble, c'est un cœur que Dieu cherche pour bénir. Et la Bible dit, l'orgueil précède
L'orgueil précède. Dans ma version, on dit l'orgueil cause la chute, mais l'humilité provoque la gloire. Que le Dieu de grâce te bénisse abondamment. Que l'humilité commence à provoquer la gloire dans ta vie. Quand on parle de la gloire, on parle de la bénédiction. Ici, l'apôtre Paul parle à l'église ou au peuple des Galates. Il a remarqué qu'il y avait un comportement qui ne leur permettait pas d'avoir la bénédiction. Et déjà, le chapitre 4, parce que Galates, je pense, s'arrête au chapitre 5. Déjà au chapitre 4, il était déjà en train de vouloir clôturer sa mission. Et pendant qu'il voulait clôturer sa mission, il était en train de donner les bases pour que bato barotika la baye ba que makambo apôtre Paul a ebisi bango, c'est pour leur bénédiction. Alléluia. Et il leur a dit quelque chose. Il dit ceci: l'héritage peut être là, mais lorsque l'héritier est encore un enfant, c'est-à-dire cette personne va se comporter comme un esclave. C'était au même moment un conseil, mais c'était au même moment un appel que l'apôtre Paul était en train de faire par rapport au peuple des Galates. Aujourd'hui, moi, je vais parler au peuple des Galates. Je disais, je vais parler au peuple des Galates. Réduisez les mouvements, s'il vous plaît. Je vais parler au peuple des Galates. Dis, je vais parler au peuple des Galates. Je suis Galate. Ouais, je suis Galate. Galatien, c'est Galatien. Amen. Alors, il a dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, sachez-le très bien que l'héritier se comporte comme un esclave. L'héritier a l'héritage, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? La bénédiction de l'Éternel est à l'aka. Et la bénédiction de l'Éternel existe. Dis à ton voisin, la bénédiction de l'Éternel existe. Sur la terre des hommes, il y a des gens bénis. Dis-lui, il y a des gens qui sont bénis. Alléluia. Toi aussi, si tu veux accéder à la bénédiction, suis ces choses. Je pense que ce que je vais aborder aujourd'hui, ça sera notre 10e porte par rapport à la bénédiction. Et si tu veux accéder à cette bénédiction, saisis bien cette porte et le Seigneur va te faire énormément du bien. Alléluia. Il leur dit, vous avez l'héritage est là, mais votre problème, vous êtes encore des enfants. Votre problème, vous êtes en train de vivre comme des esclaves. Votre problème, vous êtes encore comme des personnes qui ne peuvent pas hériter. Ce qui confirme un héritier dans l'héritage, c'est l'âge. Amen. Un héritier peut avoir l'héritage, mais ne peut pas accéder à cet héritage si cet héritier est encore un enfant. Alléluia. Ce qui sécurise, ce qui écrivent, retenez, ce qui sécurise l'héritage, ce qui sécurise l'héritage n'est pas le fait d'être héritier. Mais ce qui sécurise l'héritage, c'est le fait d'être un héritier, mais avec l'âge qu'il faut. Alléluia. Ce qui sécurise l'héritage, ou ce qui sécurise l'héritage, ce n'est pas le fait d'être héritier, mais ce qui sécurise l'héritage, c'est le fait d'être héritier, mais avoir l'âge qu'il faut. Alléluia. Je vais donner un exemple clair. Papa laisse des voitures. Papa laisse des maisons. Papa laisse tout ce qu'il peut laisser. Ce qui moi n'a 5 ans. Ce qui moi n'a 10 ans, moi accédé parce que aza mineur. Mais ce qui moi n'a akoli ba kozwa héritage wana ba osala nini? Ba opese. Ce qui ba pesi été akoki pe ko réclamer ngo parce que aza na ba droit na. Alléluia. Ce que tout nan voisin yo ba bénédiction ezali, mais tout nan voisin aza na âge nini?
Amen. Est-ce que ngana tuni voisin a ibiso age naye? Na lobi tuna ye yebse ba bénédiction sali nini? Yebse voisin ba bénédiction ezali. Mais tuna yo zana age. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'une des clés que je vais aborder ce matin, pour que quelqu'un entre vraiment dans sa bénédiction, c'est la maturité. Alléluia. C'est la maturité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais l'accès à cette bénédiction-là demande aussi que nous puissions avoir la maturité. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église des Galates, vous avez l'héritage, mais vous vous comportez, vous êtes comme des esclaves, parce que vous êtes encore des enfants. J'ai fait appel, la bénédiction est là, l'héritage est là, j'ai fait appel, montez encore des niveaux, atteignez la maturité et vous allez avoir votre bénédiction. Alléluia. Le problème de l'église, ce n'est pas d'abord les nombres. Le problème de l'église, ce n'est pas de qui dirige l'église. Le problème de l'église, c'est des personnes qui constituent l'église. Tant que l'église a beaucoup d'enfants, quand je parle d'enfants, je ne parle pas par rapport à l'âge. Quand l'église a beaucoup d'enfants, l'église ne peut pas être bénie. L'église peut avoir des jeunes, mais s'ils sont des jeunes matures, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction va couler. Alléluia. Oh, demande à ton voisin, mette là quatre personnes, la maturité, la maturité. Alléluia. La maturité. Ici, la maturité, je ne vais pas vraiment lier ça par rapport à l'âge. Ici, la maturité, je vais lier ça par rapport à l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. La maturité. Alléluia. Et promets à ton voisin, dis à ton voisin, une fois que je serai mature, une fois que je serai mature. Bon, dis une fois qu'on va atteindre la maturité, les bénédictions seront faciles. Alléluia. Dans la vie naturelle, vous allez comprendre. Il y a d'autres choses qui naissent ou d'autres choses qui apparaissent dans la vie d'une personne par rapport à l'âge, n'est-ce pas? Quand on était des jeunes, des adolescents, on avait un problème. On voulait assez que, pour que l'on confirme que tu as grandi, tu as besoin que Mande Fouessanine. Et nous tous, on migrait vers des poils. Ah, aux oba pousse poils, aux yeux au tché, na nini, au lali nango, lobi ba poil, il faut bando sanine. Mais tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin de pousse-poils. Lorsque tu vas atteindre l'âge qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur, le corps va donner l'ordre au corps. Banda ko bimisa mandefu. Pona nini? Parce que akomina âge ya mandefu. Beaucoup de chrétiens veulent vivre comme si ba vivre na vie à pousse-poils. Na yo ya bénédiction soki nane ko kite ko tcha pousse poil te. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Tant na yo ya bénédiction soki nane ko kite ko tcha pousse poil te. Nzoto yebi ke soki muta koli mandefu esala nini. Ça dit dans la vie chrétienne, Dieu sait que si tu atteins la maturité, il va te donner la bénédiction qui est correspondante à ta maturité. Il ne va pas te donner la bénédiction. Ata osalindengenini. Sauf que tu es encore un enfant, tu vas toujours commencer à se manifester ou à vivre comme un esclave. Alléluia. Ata banabasi, bien aimé dans le Seigneur. Moi, na moi si nyonso, azalara déjà na prédisposition, ya rosala déjà na tolo na ye. Moi, je suis un peu plus jeune que je suis venu à la salanine. Bien aimé, Babilo, je suis un travail à Kayangote. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Babilo, je suis un peu plus jeune que je suis venu. Quand je suis venu à la salanine, je suis venu à la salanine. Je suis venu à la salanine. Je suis venu à la salanine. Pamplemousse à côté ici. Mais le lot, je suis venu à la salanine. Je suis venu à la salanine. Je suis venu à la pamplemousse. Je suis venu à la mandarine. Mais je suis venu à la salanine.
Enzo te pèse ordre, Bobi Misaye Biloko. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Yebisa voisin, moni soko koli, oko atteindre maturité. Yebisa soko atteindre maturité. Soko atteindre maturité, bénédiction et salanini. Yebisa une église soko atteindre maturité, bénédiction et salanini. Oh, yebisa langa quatre personnes atteindre maturité, bénédiction goya. Oh, soko comprendre nga bien te loba na voisin bien, soko atteindre maturité, soko atteindre maturité, il y a des choses oh nzamba ko pesa yo, pas parce que tu as gêné, pas parce que tu as prié, il y a des choses que Dieu va te donner parce que tu as mûri. Il y a des choses que Dieu va te donner parce que tu es dans la phase de la maturité. Alléluia. La Bible dit ceci: Moïse est devenu grand. C'est alors que la Bible dit, il a pris la décision de ne plus être appelé fils de la fille de quoi? De Pharaon. Et il a dit que je suis enfant de Dieu. Donc, en Moïse, il y avait déjà l'appel. En Moïse, il y avait déjà la libération de tout un peuple. Mais Dieu attendait la maturité. Alléluia. Dieu attendait la maturité. Dieu sait que Dieu attend de toi. Lélo, tu vas sortir en ces lieux, tu vas faire le choix, soit de rester enfant, soit de devenir d'aimer ton voisin. Aujourd'hui, tu vas faire le choix. Et ça, aujourd'hui, à l'église, tu vas faire le choix, soit de devenir mature, ou soit de faire quoi? De rester enfant. Mais je te dis la vérité, de la manière dont le monde est en train de courir, si tu restes un enfant, tu seras éternellement quelqu'un qu'on va commencer à laver dans le bassin et piétiner. Mais si tu dis que moi je dois devenir mature, c'est alors que la bénédiction va faire quoi? Alléluia. Et malheureusement, là où on doit atteindre beaucoup de maturité, c'est là où on se comporte comme des enfants. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des prédications où les amènes les amoukiers. Yep, ça voisin, maturité. Alléluia. C'est-à-dire, le plus grand défi de l'église pour la bénédiction, ce n'est pas d'abord Batoubaye, Bakébiso, ton prière à Makasi. Ce n'est pas Batoubaye, Bakébiso. Ceux qui t'ont toyé dimanche, parking et tondaka. Ce n'est pas Batoubaye, Bakébiso, ton lataka. Non. Grand défi à l'église, et ça que Moutouna Moutoufoua comme mature. Alléluia. La maturité va faire à ce que l'église puisse évoluer dans une grande bénédiction. Et cette bénédiction attend à ce que chacun de nous puisse accepter le choix de la maturité. Imaginez un peu. Bozui Moutouka, Bopé, si moi, il y a 10 ans, il y a un scandale au sala. Nanzela, combien de batouba au koufa? Hein? Et belé, hein? Alléluia. N'ayez mon repère sani. Mais est-ce que ça est le quoi, ma bé? Et c'est le quoi, bien, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que la personne qui est au volant n'a pas encore grandi. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous exiger que nous puissions avoir la maturité. Société nyonso, libala nyonso, classe nyonso, relation nyonso, et vandaka sur base ya maturité. Alléluia. Si vous voulez voir une société qui est en train de réussir, c'est-à-dire dans cette société-là, il y a beaucoup de matures. Si vous voulez voir une église en train de réussir, c'est-à-dire dans cette église-là, il y a beaucoup de matures. Si vous voulez voir un couple stable, bien aimé dans le Seigneur, c'est le sacrifice d'une personne d'être mature. Alléluia. Couple ya bana na bana, yango omonaka, batuba balani, et après batuba ingba sanini, ba divorce belé ezate parce que nzamba pambola kité. Ba yaki pe liboso nzambe, nzamba pambola ki. Mais le problème c'est que chacun d'eux a refusé de payer le prix de la maturité.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La bénédiction demande. Et si je suis pas en train de dire par rapport à l'âge, parce qu'il y a des personnes azana âge, azana souki pembe, azana nyonso, mais azana maturité. Alléluia. Na vie yo bando potana na batu. Eh non, ya lobaki, ya salaki boy, ya salaki boy, ya salaki boy. Bien aimé, mukolo o azam mature. Akota kate na bisika oyo akoki ko banda ko tanga ba kombo ya batu parce que fin de compte pe kombo na yepe e ko tanga ma na buzoba ya bana mikie. Soko moni mukolo akoti na buzoba, c'est-à-dire que azam mukolo na age, maintenant nous azana maturité. Bien-aimé, là où il y a la maturité, on peut être dans une église pendant 15 ans, pendant 20 ans, on n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce que les gens se sont décidés. Nous pouvons avoir l'âge, mais nous pouvons aussi avoir la maturité. Et les personnes matures, bien-aimé dans le Seigneur, ça se voit au niveau du caractère, au niveau des choix, au niveau des décisions. Bien-aimé, pour être pobi mamandefu, pour okomana voa munene, ezayote nem tozo se décider. Mais pour arriver à la maturité, chaque pas de la maturité demande un choix. Chaque pas de la maturité demande une décision. Chaque choix de la maturité demande même l'humilité. Alléluia. C'est-à-dire, pour migrer à la maturité, ça demande à ce que quelqu'un puisse se décider à partir de l'élo, na rosala lissousou, na katia, immaturité, na migrer vers maturité. Et le diable sait que la bénédiction existe déjà. C'est ce que l'apôtre Paul dit au peuple de Galates. Votre bénédiction existe déjà. Le diable ne combattra jamais ta bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est Dieu qui donne. Et la parole de Dieu dit ceci. Cette bénédiction ne se fait accompagner d'aucun chagrin. C'est-à-dire, le diable n'arrivera jamais à toucher la bénédiction d'une personne. Ce que le diable fera avec toi, il va te rendre juste immature. À chaque fois que tu es immature, tu es en train de rater l'escalier qui mène à la bénédiction. Alléluia. Et l'église est comme place partout. Bien aimé, on a la bonne parole, on a la bonne prière, on a la bonne adoration, mais l'église est comme un siège immature. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de la chambre haute. L'église dénomination en onyoso, o ezana katia ya Congo ya monde. So tali bien, église de siège yabanani, yaba immature. Voilà pourquoi est-ce qu'on est en train de prendre même des décisions dans le gouvernement. Au lieu que, l'église est comme une place batbazoya pour que bakola na maturité, et comme une place batbazoya pour que bazonga susunanine. Na immaturité. Alléluia. En réalité, bakoki on prononçait, tokanga ba église, tokanga ba église. Non. En réalité, faut balo bato kanga bato bazana kata ba église. Alléluia. Pour église est comme, je dis bien, église est comme sa moutou immaturité. La bonne église avec la bonne nourriture, bien aimé, te rend mature. Mais le problème, c'est la constitution, les gens qui constituent cette église-là. Et toi, si tu adhères à ces choses-là, tu vas comprendre que j'avais un certain niveau de la vie, un certain niveau de la réflexion, mais depuis que na vandina batou, ou bien na vande sigamoro, même réflexion dans le bando sanine, et bando kita. Il y a des gens, vous allez aller dans ma quartier, dans Bango Botuni, maman a zara ndengenine, oh, maman a zara bien, papa a zara ndengenine, papa a zara bien. Déjà, boka papa abunda, non. Boka maman abunda, non. Boka jeune abunda, non. Mais boki vraiment dans quatre églises, boki jeune a salinine. Abundi, papa salinine. Maman salinine. Akangisi moutenemi a weleli. Alléluia. Dis à ton voisin la maturité. La maturité. Et belé ya batou, oh bazo ya abao se nga bénédiction. Bien aimé, il y a des choses. Nan no coquit, hein. Nan $100, aux alakorgé. $100. Alléluia.
$100 oko gérerti nzambe so apesio $500 basi nyoso mokili bakomi kitoko. Alléluia. Nzambe so apesio $100 basi nyoso mokili basani bakomi kitoko ba angelou bakomi partout. Alléluia. Cette personne là est en train de se comporter comme un enfant et Dieu ne peut pas lui donner l'argent. La bénédiction qui concerne l'argent est à l'oba. Au revoir. Parce que là, tu n'as pas encore atteint le niveau d'avoir la bénédiction. Il y a des personnes, vous allez les voir à l'église parce que il manque à faire. Mais quand Dieu va donner ce qu'il doit donner, bien-aimé dans le Seigneur, le problème de la maturité va surgir. Et vous allez comprendre, il va se retrouver partout, mais sauf où? À l'église. Alléluia. Aussi longtemps, l'héritier est encore un enfant, moins accédé, il y a un autre vivre le coup là-bas, et bah esclave. Que le Dieu de grâce te bénisse avec la maturité. J'ai dit que le Dieu de grâce te bénisse avec la maturité. Quand quelqu'un atteint la maturité, tu es en train d'éviter ça. Je vais vous dire une chose, des personnes matures à l'église. Généralement, quand tu as un problème, je donne un exemple. Tu as un problème, on a dit, on a remarqué que na libumunayo, ezana babiloko, oyo, ezo tambola. C'est ça, non? Normalement, quand tu pars chez le médecin, la première personne que tu dois venir voir, c'est l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Ou tu pars voir le responsable. Mais regarde comment est-ce qu'à l'église nous nous comportons. Tu as un problème. La première personne que tu dois voir, ce sont des personnes avec qui bozana bango col, n'est-ce pas? Tu vas dire ah, ça bon na kenda ki na hôpital, ba kanginga na appendicite, ba kanga kinga ou bien ba kanginga na myome. Et après Batouana bayebi, c'est ça non? Batouana bayebi, bokendara na myomte, bokena myom kuna ale, okoti na ba souffrance, okoti na ba problème et tout ça. Batouana pe balobi bon, ça va information na biso le roi to zwa kyango to sainin. To bombe on pe entre biso. Allez, le pasteur n'est pas venu te voir. Personne n'est venu te voir. Personne n'est venu te dire bien-aimé dans le Seigneur. Après ça, yoka décision. Nde soika opération ka o esili. Non ça wapi? Non, il y a son église. Tu avais dit à qui? Tu as informé à? Est-ce que l'entité où est valable pour te repérer sa solution? Est-ce que tu as vendu une pembine? Non, l'église où on a pas qui parle, pas problème à battre. Pas qui parle. Non, quand le problème est arrivé, tu as dit à qui? Là où est-ce que tu as fait inscrire ton nom? Où on a refusé que non, yo, au coup, t'as un pasteur, hein? Mais comme na mutu na yo na immaturité na yo oyebi ke soki na yebi si mutu azana capacité ya résoudre nga ba solution ya ndenge na biso, tu vas dire chacun de nous parle à une personne qui croit qu'il est la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais les personnes matures, dès qu'il y a un problème, bien aimé, même les problèmes ya ndenge nyoso ezala obeti mutu arme na nzela pou. Et le kwaliboso, maman, papa, neko, kima, viens dire à ton pasteur, pasteur, na ou tchou beta moutou armé. Et bon, so yo, papa, eli, na ou tchou bo mamouto, tout ni nan, ou gradi, neko nae. On m'a déjà place au kei. Ou quand tu le rozo lobe la mouta solution, tu rende yem to amemo na souciat. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à ton voisin, c'est la maturité. Il y a des migrations, les gens sont en train de quitter chaque jour. Et les gens qui sont en train de quitter sans pour autant même savoir, tant qu'il y a un pasteur, na sepeli le matin, na yo, na sepeli comment est-ce que l'église est, bon, ça va. Tant qu'il y a un longwa, a relobate, pourquoi? Parce que au côté qui na groupe, mokoyo kanza keza groupe à solution, to keza groupe toxique. Alléluia. J'ai dit toujours tout ce qu'on va dire. Bon, à mouta piscine à Bethesda. Bien aimé dans le Seigneur, cette personne sera toujours l'exemple de la vie. La Bible dit il a fait 38 ans.
Les gens étaient en train de tomber, tout ça, tout ça. Quand Jésus vient, il dit, je n'ai personne. Ça dit que ce n'est pas au moment des problèmes qu'il faut faire entrer toute personne dans ta vie. Ah, tu ne m'as pas bien compris. Ce n'est pas au moment des problèmes que tout le monde doit entrer dans ta vie. La maturité exige de parler à la personne qu'il faut. Tout le monde n'a pas la possibilité de protéger quelqu'un. Je disais, tout le monde n'a pas la possibilité de protéger quelqu'un. La maturité exige à ce que l'on dise à des personnes. Bien aimé, dans l'église, ils ont déjà commandé à diacre. Sans coup, tu vas perdre ton mandat. Surtout, oh, sœur, frère, vous avez été point. Oh, parce que vous habitez. Mikolo a un problème. A un problème à loyer. Parce que aluka, faut à comment wapi. Il faut abandon. A repère son adresse. Yo mon père pasteur au Kepé hôtel bo. Adresse on repère ça nini. Et ça solo, mais pas pasteur à saini. A comment été. Après ce sont des premières personnes. Kuna ba kipa makama ba tout été. Ba ko kipé yo soki information ko ina sika malam. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ezala na mabala, ezala na ba société, ezala na ba bisika to vandi maturité. Est-ce qu'on croyait ba que jour okozwa possibilité ya ko solola na muto ba memela ko ba information que azala kamabe za kamabe. Ndio mona que jour wana muto ana za kamabete. Le problème c'est quoi? Tu as pris le temps de beaucoup écouter, mais tu n'as jamais pris le temps d'aller chez la personne qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Aujourd'hui déjà, je savais qu'il y aura paix d'amen, il y aura paix d'amen. Parce que c'est ça le comportement de l'église. Alléluia. Tala, bien-aimé, ne cherche dans ta vie. Si tu es une personne mature, beaucoup de personnes ne peuvent pas te gérer. Alléluia. Si tu es une personne mature, beaucoup de personnes ne peuvent pas te gérer. Tu vois, moi j'ai atteint un niveau où... Quand j'écoute les problèmes Nanzela, je ne peux pas prendre ça, mettre ça sur table. Parce qu'au moins, on ne m'a pas informé. Donc, vous voyez, attends, le bique, pasteur, il y a une information, il y a une quitté. Est-ce que vous avez une information? Est-ce que vous avez une information? Est-ce que vous avez une information? Et puis, ce sont les mêmes personnes qui vont sortir un jour pour dire que non, oh pasteur, vous avez une information. Bien aimé dans le Seigneur. Li kambuna yo nazana posa koyeba ngote ngana minute course na ngeza boy omoni jour na okufa bako mata évangile selon Christian Mancholo. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et à l'église il faut combat na yo koma omoni balobaka mon mari c'est mon combat, le restaurant c'est mon combat. À l'église combat ne faut koma que tu sois un homme béni, que tu sois une femme bénie. Le jour où les gens, bien aimés dans le Seigneur, dans l'église de chambre haute, yo oko tapé parmi bato bazape référence. Yo ka komba ba na nzambe. Il faut ba yeba nganga nem tuna lata ba talon makasi na église. Ou bien que ba talon pe ya milayi et bébé sa rapé. Il faut bailler bangas ko ngani na lata ba pantalon ko soki na enfiler nzoto dessiner. Le combat, c'est que l'on puisse te connaître par rapport à la bénédiction. Il y a des personnes qui deviennent juste des acteurs yabuzoba. Tala, un homme mature, c'est cet homme-là. Tu as beaucoup d'informations positives dans ta vie. Parce que vouloir ou pas, une information transforme toujours une personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Nezanazabo na opeso ba information bénédiction. Yambango na kombo na Yesu. Une information transforme la vie d'une personne. Olingo lingate, que ça soit dans le sens positif, que ça soit dans le sens. Alors dans la vie, il faut choisir quelles sont les informations qui entrent dans ta tête. Amen. Na ebite so yo yebiango. Eza na li solo moko boye. Nga muto ake simba ki Nganga yebisiye. À chaque fois que okobandaka ko se déshabiller atoye ko yiba place ni ataba kolo eloko bazawana yo babando mona yote.
Vous comprenez la formule en anga? Information quoi t'as n'importe quoi ni. Parce que jour où nous sommes la match à Léopard, il faut aller bas TV. T'as la rabat ou sangani ni? Ebélé. Oh, nganga ebisa gité. Même dans la spiritualité, là où il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi est-ce que les occultistes et les sorciers travaillent plus dans les secrets. Parce qu'il y a ma formule, nous sommes en secret et simbité. Mais au komi place batubase et simbi plutôt. Au komi place batubase belé et simbité. Parce qu'il y a beau sani place nini ba yebisa ke ye fois longulaka. Ça dit soit continue na ndako batunyo surtout balali. Si c'est des habits, ils volent, personne ne le voit. Parce qu'il y a quand même que ça marche partout. Il est allé là où les gens regardent les matchs à Léopard. Et nani a su penalty, Mboka n'a su penalty. Yalobi, c'est le moment. A Kabeti formule naé, Abimi a débranché TV. A yokipe batuba gangi. Tika kindoki. Yalobi ou eza fruida. Daza. Jamais les gens peuvent me. Nganga salinini. Nganga aloba. Aloba qui ce qui n'a beti formule. Moi mutamo nanga atomboli TV. Yanke moi gangi petit tika ba joko kufa. Yalobi awa mutamo nanga. Ezara peut-être fruida. Ce que tant que moi kené nanga ne batu nyoso ba moni ke komi sérieux. Ba récupéraye. Ba betaye. Akenda ko lamuka na mbeto hôpital. Nda comprendre que information na zaki na ona mutu. Ezalaki information oyo eko memangata na liwa. Ça dit que je ne peux pas faire ces choses là. Voilà pourquoi ce que je te dis, un homme mature, une femme mature est constitué par des informations que l'homme de Dieu est en train de mettre dans sa tête. Et ces informations, c'est la parole de Dieu que l'on est en train de mettre dans ta tête. Plus tu as beaucoup plus d'informations, plus tu es beaucoup plus béni. Je déclare dans ta vie que Dieu commence à mettre beaucoup d'informations. Que Dieu commence à mettre beaucoup d'informations dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ce que la Bible dit, mon peuple périt par manque d'informations. Il y a des endroits, tu entres aujourd'hui, Dieu te bénit et les hommes te bénissent. Le problème, c'est que tu manques des informations. Alléluia. Tu manques des informations. Tu as des informations au Zakanango. Dans la minute, on a un mot, on a un réel, on a un défenseur, on a un bazaké. Dans la minute, on a un mot, on dit que c'est un défenseur. Il y a des informations. Mon bali, on a un minute, on est dans un mot. On dirait azana mbanda moko quelque part nazomone sous clarté ndé ba information au Seigneur. L'homme est fonction des informations. Et si tu as des informations telles que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le très bien. La Bible dit, l'homme quittera et s'attachera. Bien-aimé, si l'homme-là est attaché à toi, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là finira par sortir. Basio bakendo bunda na balabala, manque d'informations. Oko baby sa vie mbanda na prière. Oh, Nabi oko baby sa vie mbanda na prière. Oko baby c'est bien aimé. Oko baby sa vie mbanda na prière. Oko baby sa vie mbanda na prière. Et à la chambre où tu as téléchargement d'informations. Nabi na chambre où tu as d'informations. Oya ki mutu vide nzamba pêche information. La Bible dit tu vas monter et tu vas prospérer. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. C'est une information. Na minute information sont réunies. Et ça que Donald Trump a commis président des États-Unis. Dans ta tête, information faut bandoro régner. C'est que le Seigneur, la Bible dit, les voleurs viennent pour égorger, pour dérober, pour
pour étrangler, mais le Seigneur vient avec la vie en abondance. La Bible dit, je bénirai tes os, je bénirai tes pains. La Bible dit, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Et que cela arrive dans ta vie, et que cela arrive dans ta famille, et que cela arrive dans cette église. Que la bénédiction de l'Éternel, que la pluie de bénédiction puisse tomber dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne une information, que tu ne mourras jamais pauvre. Je te donne une information, que dans ta vie, à ta bampia kayalelo, et l'ongoli lobo kwanzambete na vie na yo. Parce que le Dieu de grâce est le Dieu qui bénit. La Bible dit, tu auras une vieillesse de la prospérité. Tu auras une vie de la prospérité. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni mendiant du pain. Et que ça, c'est une information. La Bible dit que c'est dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Tant que tu es en ce lieu, l'information que tu dois garder dans ta vie, qu'il n'y aura pas de femmes. Toi, regarde les informations. Bazo Tongayo, et Yewana, depuis à côté de Libal. Est-ce qu'on dit qu'il y a des hommes immatures? Il y a des personnes immatures. Baby go kota na libal. Baby go sala 2 ans. Baby go sala 3 ans. Que ma bote yo sanini. Bon, mon amour, on a teme. Bon, tu n'as yo depuis au balozo botate. Et quand tu prends cette information-là, bien aimé dans le Seigneur, au commun même, eh, ngamawa, ngamawa. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu a donné. La Bible dit, Dieu a donné à une femme vierge. Il a donné naissance à Jésus-Christ. Peut-être, yon zambazo, c'est là. Ozoaka, ta mouana moko. Oya kozala. Oya kozala. Likondi. Oya kozala. Une personne bénie pour toutes les nations. Parce que batwa kala babando tondi sabana po babando kansanet ke soto tondi sibana bana bako ede biso mais bien aimé okosa la peine à 12 bana bango nyoso pe ba chemin mais okosa na moko ya qualité. Oh, okosa na moko ya qualité alongoli pe soni ya vie na déclarer ti kanzambe na lola pambola yo na lobiti kanzambe na lola pambola yo. Bien aimé, na match ezala kana match direct ezala peine à prolongation ezala batu mususu nzambe na pamboli ete azo meme na prolongation ti kanzambe na nga pambola na prolongation babu ya prolongation ezala ka goût. Dans le Bible, il y a prolongation, ça a un goût. Dans le Bible, il y a prolongation, ça a un goût. Et la prolongation, c'est mort subite. On a déclaré yo zwa ya mort subite. A nous aussi la nali pambolina yo clôturé ba ma o clôturé ba ma pamboline yo so. Ti kanzambe na lola pambola vie na yo. Ti kanzambe na lola pambola vie na yo. Et une personne mature réfléchit comme ça. Attends à zouté, lobi na rozoa. Attends à bongite le lot, lobi na rozoa. Soko moni moninga pambo mi pambola ye. Soko moni moninga zu pambola ye. Ce sont les immatures qui pleurent lorsque les autres sont bénis. Ce sont les immatures qui pleurent, qui croient ici tala. Moutoua si malola awazate. Ce qui m'a pambo mi natana ye. Yo pese la tana yo. Un homme mature n'est pas pressé. Un homme mature attend le temps. Un homme mature attend le temps. Écoute ceci. Ce qui oboti na minito. Ole ki mwana mwasi o azana kodimte na robota. Et ça parce que yo atteindre temps na âge ya kobota yepe a ko atteindre un jour tana ye. Oh, que le Dieu de grâce azo zela lipambolino ete la azo zela makambo ete la pour que tu aies la maturité oye ba pe ko conserver. Alléluia. Beta voisin le bata na ngepe goya. Le bata na ngepe goya. Na kokoma jaloux na yote parce que yo pambwami. Na kokoma jaloux na yote parce que toi tu es béni. C'est ça la maturité. D'ailleurs, lorsque tu atteins la maturité, quand quelqu'un est béni, le langage c'est le panier circule encore. Oh, tikanzambe na lola visite yo. Na lobi tikanzambe na lola visite yo. Batu ba ke poto ba silisi poto te. Batu ba voyager ba silisi. Si ma vionte et ça n'attend on zamba kobondi c'est la yo oyo yo pe oko kende n'attend favorable parce que le Dieu de grâce bien aimé et ça moto moko te soka ju visa à silice ambassade mobimba.
Peut-être c'est question d'information. Tu n'as pas les bonnes informations. Attends jusqu'à ce que tu auras les bonnes informations. Tu vas voyager comme il le faut. Yayo route balozala. Ok, Ozongi. Ok, Ozongi. Ok, Ozongi. Ok, Ozongi. C'est une erreur de croire comme si tu as là. On voyageait et après on cantait clôturé. Alléluia. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Moutou Oyo accueilli Dubaï en 2017 ou 2018. Et Zanabiloro Msouba Bakisi na Dubaï Oyo en 2024 au monité. Parce que imaginez qu'on s'est kaki moutou tant yo bando ke na 2017 et ke ya ke na 2024. Nana comme une vitesse. Nana comme une information. Nana comme une actualité. Je déclare tika yo comme actualité. Nana bitika yo comme actualité. Nana bitika bénédiction na yo comme actualité. Voilà, dans une maison, si vous voulez être béni, na papa maturité, maman maturité, bana maturité. Rosa na papa, mais papa zana mwana. Bébé papa. Bébé. Bébé papa. J'ai compris une chose. Na nenga na komi boe. Il faut na kende, tu es réveillé, il faut na kende, eh l'enfant, il faut na kende. Ndé na osa ce qu'on a ba kosu kosu boe. Na mona ndeti na mona ndeti mo retard mo boe. Mais ça va bébé papa na bandako. Ça dit que yende faut ba kipé. So ba kipé té mkola na moni nzeli ba le koufi. Bébé papa. Bébé papa. Yep sa voisin yaya bébé. Yep sa baba yaya bébé bazawa. Alléluia. Tala bénédiction na vine roya. Soko bali mobali mature, obali pe moi si mature. Il y a des femmes immatures, des femmes immatures. C'est-à-dire que yo mona ke akomi na ta ya robala, mais en réalité na akomi na ta en kobala te. Une femme mature fait à ce que son mariage soit conservé. Une femme mature fait à ce que après sa mobali ba conseil ya bien batonga. Mais yo ozane moi si oyo yo pesa ka mobali ba conseil ke ndenge sa boy to voyager ndenge sa boy to somba bilamba ba luka sike zo bima bino na retard. Mais une femme mature est capable de dire à son mari ko lata ezana ngona na tina mingi te ko somba boy ezana ngona tina mingi te mais nous voulons construire l'avenir. Si Dieu ne te donne pas le mariage, ce n'est pas question d'un démon, ce n'est pas question de quelqu'un au nom raison envoûté yo. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé. Tu es en train de croire comme si dans la maison du mariage, c'est là-bas là où tu vas commencer. Au moment où on aura la carrière, et sa carrière. Nzambe pesanga libala. Nzambe pesanga libala. Nzambe pesanga libala. Église wana na muna kabatu musuba zo bala. Ngana zo bala te. Nzambe nanga libale. Nzambe libala. Nzambe libala. Nzambe libala. Ok na libala. Ba ebisi oka kasiko mama na ndenge yo zaboy. Ezane loko boy fo bongisa fo bongisa te. Na zonge pa na biso. Nzambe atika na ye. Ape sabato ba mature. Ape sabato ba mature. Yo atiko na immaturité na yo. Yo zo kanzaneti age nde sala galibala. Mais age sala galibala te. Mwana ya 20 ans a cause wa libala a maîtriser libala ko leka mama 45 ans. Pona nini ce n'est pas question ya maturité. Eza question te ya libala, eza question ya maturité, ya maturité, ya maturité, ya maturité. Bouchelenga voisin, eza question maturité, eza question maturité. Tant que tu n'es pas mature, tu vas gêner. Tant que tu n'es pas mature, tu vas prier. Tant que tu n'es pas mature, tu vas faire des choses. Et même mouto alinga bongisa libala na ye. Bien aimé, ata mobali a tchelo ba panneau publicitaire. Toi conserve parce que c'est la maturité. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tosana ba famille au comment on appelle osana bana mais on a peut-être moi on a peut-être yasuka avant dernier asa mature
koleka pe baoba sanini basali boso bana balele abino banda papa. Je n'ai pas l'argent de syllabis. Je n'ai pas l'argent de syllabis. Au talent, il y a un iPhone 15, iPhone 16. Il y a un TK. TK, où est-ce que la syllabis? Classe où est-ce que tu es? Moussala, où est-ce que tu es? Et ça n'a pas la capa papa. Après, à Saint-Nini, à Koufi. À Sissi classe, papa Koufi. À Zou, Moussala, papa Koufi. Alors, papa, tu as la gastrite. Tu as l'estomac. Nicolas, classe à Bana. Batanga, babunda, baroeba Valère ya rotanga. Peut-être na kobunda baroeba pe Valère ya rosali sa pe ba parents. Les enfants qu'on donne tout ne connaissent pas la valeur de deux les parents. Mais quand un enfant devient mature, abandonne au monde ba charge, il va comprendre là où je viens. Les parents souffrent. Là où je viens, les parents souffrent. Si moi je souffre comme ça, les parents souffrent et je dois les aider. Tu ne seras pas un parent ou tu ne seras pas une maman en train de toquer à la porte des enfants. Mais les enfants, quand ils sont bénis, ils vont commencer à faire des virements. Ils vont commencer à te donner. Même quand tu ne demandes pas. C'est une malédiction quand un papa doit toquer à ta porte pour demander quelque chose. C'est une malédiction quand une maman doit toquer à ta porte pour demander quelque chose. Toi-même, par rapport au poids de la vie, lorsque tu es un enfant mature, quand on te paye, quand on te fait du bien, tu enlèves pour toi et tu dois voir aussi les parents. Oh, donne-moi la main, je vais te dire que la maturité... Une église mature, on ne demande pas aux fidèles l'argent. Une église mature, les gens connaissent les besoins de l'église et ils viennent contribuer. Une église mature, bien aimé dans le Seigneur, se comporte par rapport à la vision. Parce que l'église est déjà bénie. La Bible dit toutes sortes de bénédictions que Dieu a donné à l'église. L'église attend juste des personnes matures qui doivent accéder à la bénédiction. Bénédiction ça, oui. Ça voit cette bénédiction ça. Oui. Et l'église n'attend que des personnes matures. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Yango l'apôtre, yango Salomon Zoloba. J'ai vu des esclaves bazo tambula na ba chez vous. Mais na moni bana ba konzi. Bazo tambula na makolo. Et makambele kate yango. Bah esclaves du monde, les païens, bazo tambola na ba chez vous. Bana ya nzambe, bazo tambola lokola banani, ba esclaves. Oyaka église, ozana comportement ya mutu moko melaka diamba. Oyaka église, bien aimé dans le Seigneur, yoka différence. Mutazo meladiamba, azo bongate. Mutazo mela lotoko, azo bongate. Mutazo mela alcool, azo bongate. Mutazo église, azo mela sen sen, azo bongate. Okoye bisapaye wana tigali nanda ku nini. Okoye bisapaye wana zana comportement mabe nini. C'est que sen sen est comme le roi Zododo. Les gens viennent, ils prennent la sainte scène. Au lieu de devenir matures, ils sont en train de devenir les immatures. Le roi Batoubafana le Banganda Diamba. Vaut mieux rester à la maison et pas venir à l'église. Pourquoi est-ce que tu vas venir à l'église le dimanche? On te prêche et ton ami qui est resté à la maison, comme un païen, Bofandi Nena Bar, Bofandi Nena Lolo Toko, Bofandi Nena Masanga, toi tu viens à l'église faire hein, quoi? Pourquoi? Parce que vous n'influencez jamais les immatures. Yo posara le kola ba immature. Payan zwinzembo mokila bambi na statue non. Yo zui affiche église au bambi balobi au sert en Christ. Après ba zonga suka na statue wana. Kabase la koi na mai. Oyaka église kosala, vous voyez les immatures. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui se comportent naya, naibi li pamboli, après na keka na mokili, na ke sakana nango. Zambalobi désormais, il n'y aura pas de bénédiction, il n'y aura pas d'héritage pour les enfants.
tu vas continuer à marcher comme un esclave et tu vas laisser les autres en train de faire quoi? En train de marcher. Le problème n'est pas les démons, le problème c'est toi. Tu ne veux pas adhérer à la maturité. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à ton voisin, et communique à ma maturité. Dans l'église où les gens sont bénis, toi tu restes la même personne une année, deux ans, trois ans. Maturité. Maturité. Tu vois, Dieu m'a dit ceci. J'ai des choses à te donner. Je t'ai toujours promis. Quand quelqu'un est mature, il tient les promesses de Dieu. J'avais dit dans ma vie, Seigneur, faut me donner une femme qui prie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le Seigneur m'a dit, je vais te donner une femme qui prie. Bien-aimé, la prière d'une femme a la possibilité d'amener un mari loin. C'est les femmes immatures, écoute leur décision. N'auront prié sous pour n'a été. Prière nanga, bato libanda de bansani. Na ofanda na libalo kapo na bana. Bana ezam salate. Bana ona boke na banda kuna bango. Sko orotu na pona nino vanda libala wana. Imagine koza trois bana, mariage ezo bouger, olobi ke na ofanda kapo na nani. Bana bakoli après bakena banda kuna bango. Sko tika otika lipo na nani. Les choses qu'on a reçues auprès de Dieu, à tel ingé noyé, on ne sait pas pour que tel aimant. Tu dois payer le prix pour que tel aimant. À ta batounion, sa mokiliba gangi, toi tu dois payer le prix parce que tu as fait un choix de la maturité. Et puis un cobé batté parce que ton rédempteur s'élèvera le dernier. Le juste de juste s'élèvera le dernier. Est-ce que quand tu prends des décisions là, c'est toi qui prends des décisions, mais c'est les démons. Ou qui démon dans le but aux enfants dans le libalo pour la banane. Et ça n'est. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à ton voisin, ici la maturité. Ici la maturité, le bas la maturité. Toi-même, qui repasse pour toi les habits, les anges? Tu viens à l'église en retard parce que tu n'as pas atteint un niveau de la maturité. La même personne, quand tu lui dis que toi, Kende, n'est pas président, il va se comporter d'une façon différente. Quand tu lui dis que nous partons à l'église, au moins, on appelle Moutabi Mahernini, disait. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas qui est Dieu, qui est le président. Un président, le mandat peut changer, mais Dieu, le mandat ne change pas. Dieu, le mandat ne se termine pas. Alors quand tu viens en retard, c'est que tu as fait les choix. Alléluia. On a eu l'église où on a été. Pour la nid, tu as fait ce que tu as fait. Maman, tu as fait ce que tu as fait. Tu as une épreuve. Et la question que tu as fait. Oui, mais c'est devant les épreuves. Nous ne voyons pas que nous avons. Tu réagis à tout. Tu fais tout. Basta l'oreille, mon kébou, pan. WhatsApp au poster. Les hommes de ce monde. Les épreuves. Au moins, moi, je suis pas PC bidon 10 litres. Ne place pas la maman, tu sais que je n'ai pas de force. C'est de la même manière. Ma camion se zoé l'on a vie. C'est pour tester si tu es mature ou tu n'es pas mature. Et j'ai dit au Seigneur, aucune circonstance de la vie ne peut me bouger dans la présence du Seigneur. Je connais et j'ai l'information. Awa et ambassade. Ce qui va démon landing place au Kimela. Place au Kimela. Chacun de nous part là où il se sent en paix. Si ta paix dépend de la présence de Dieu, il n'y aura pas de gens qui vont te forcer. La bénédiction est là. Ce sont des hommes qui doivent adhérer à la maturité. Écoute ce que le Seigneur m'a enseigné dans la parole de Dieu. J'ai compris
kekobota mamukolo mbala moko eza buzoba. Mais soki olandi ba étape nyonso. Yango omona Adam na Eve bazaki na nyonso. Mais bayebe etike bana nyonso. Alléluia. Yango biloko msuna vie kola nango polongola complexe. Omoni mutoyo balati si bien ko banda bomwana tia koli balongole da complexe bilamba. Yo soko lati bien kolongwanda ku tia église oko yaka reta pozo soigner des marches. Parce que en fait, au monde que yoza yanke, ou bien yondo lataka, mais en réalité, nano comprendre te, c'est quoi le rôle d'un habit dans un corps. L'objectif n'est pas d'abord au gangi sabatou. L'objectif, c'est que tu te couvres d'abord. Maintenant, bayeli bango ba pomme. Ba cede nyonso. Yango na lobia. La bénédiction, la plus grande bénédiction, ce n'est pas d'abord ce qui vient. La plus grande bénédiction, c'est ce que tu es d'abord. Je dis la plus grande bénédiction, ce n'est pas ce qui vient. La plus grande bénédiction, c'est ce que tu es. Est-ce que quelqu'un est en ce lieu? La bénédiction, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce que tu es d'abord. Il y a ton voisin, toi tu as quoi? Ou bien tu es qui? Tu es qui? Parce que si tu ne connais pas ce que tu es, tu n'auras jamais ce que Dieu doit te donner. Alléluia. Un abattu kemba me ba miyebi. Nalo banarasa ba millionnaire awa. Nalo banarasa ba millionnaire awa. Azo kemba me miyebi. Nazolo banaba ren awa. Nazolo banaba roi awa. Baoba blokemba me ba miyebi. iPhone yo peso valeur te. Mutuke yo peso valeur te. C'est ce que tu es d'abord. C'est ce que tu es. Quand tu sais ce que tu es, tu ne vas pas commencer à dorloter les gens. Tu ne vas pas commencer à mendier des relations. Tu ne vas pas commencer à mendier des groupes. Bien aimé, quand tu sais ce que tu es un homme béni, tu es une femme bénie, ce que tu as va venir. Mon frère, c'est l'erreur de Adam et Ève. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient. Ils étaient déjà créés à l'image de Dieu et à la ressemblance. Mais le diable est venu pour leur dire, si vous mangez ces fruits, vous allez devenir comme Dieu. Nam, tu as déjà créé à l'image de Dieu. Déjà à la ressemblance de Dieu. Mais tu me dis encore que si je mange, Nako Maloro là, à chaque fois que tu prends quelque chose ou tu fais quelque chose pour confirmer ce que tu es déjà, tu vas perdre ce que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? À chaque fois que tu fais quelque chose pour confirmer ce que tu es déjà, tu vas perdre ce que tu as. Bango ba lia ki pomme po ba koma lokola nzambe, mais ba perdre bon nzambe. Ba lia pomme po ba koma béni, mais ba perdre bénédiction. Papa, diminue un peu. Bango ba lia pomme po ba koma ba nzambe, mais ba yoko constater que nzambe est bon. Qui vous a trompé? Ba bengani bango. Maman, papa, frère, ce que tu es, ce n'est pas la valeur de tes amis. Ce que tu es,
ce n'est pas le français. Ce que tu es, ce n'est pas l'anglais. Ce que tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tout ce qui est en train de partir en Zoto. C'est-à-dire que si ça partit en Zoto, tu es déjà. Tu vas perdre ce que tu as. Alléluia. À chaque fois que tu veux avoir quelque chose que tu as déjà, tu vas perdre ce que tu as déjà. Et ça, voisin, Zamba tient déjà bénédiction. Le Zamba tient déjà ma bénédiction. Ne commence pas à chercher la bénédiction en toi. Okoya kolia pomme. Menzo kande tala. Ba camarade que toi tu es béni. Bango bana ba mibale ba tata. Baza pour basala bo fuba nyoko la nzoto. Mais ton yosoko yé. Ataka na minimum na yo wana. Ba mona koza dan. Ba luka kaseke. Yo pe wa dere na makam na bango. Pour que on perdre eloko osanini. Une fois que tu perds ba obete la mololo to kokani. À chaque fois que tu cherches ce que tu as déjà, tu vas perdre ce que tu as dit. Au moni bato balo baraké nde na zabo eh ba camarade kutu baleke belé na kozwa mususu ya bien na kozwa mususu ya bien mibali na mokilo basilité basi na mokilo basani oyé baté moi so zana yé nde peut-être moi souffle de vie wana mukendo zana ngo yosko okendo luka o wapi. Il y a l'Ibanda. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ne n'a aucun déroulé à l'Ibanda. Ne tu vas perdre ce que tu avais. Ne tu vas perdre la bénédiction que toi tu avais. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Bien, mais mon kilo, quoi, envier, moutouté. Je vais vous dire, mais quatre personnes, j'ai quelque chose. Le bande n'a pas la carte, le bande n'a pas la carte. Nazane loko moko ya valeur. Nazane loko moko ya valeur. Nazane loko moko ya valeur. Et loko anakala mingi tezo banda koganga. C'est la bénédiction de l'éternel qui agit et ne se fait accompagner d'aucun. Et ça n'a pas assez rébelleux. Papa, pour maintenir l'église, il faut au quatre moutons de tabac. Alors, on dit qu'il n'y a pas de porte. Après, on dit qu'il n'y a pas d'esclaves. Après, on dit qu'il n'y a pas d'esclaves. Hey. T'as le contraste. T'as le différent. On dit qu'il n'y a pas d'esclaves, mais aucun simba kisi. Tu ne sais pas que tu as quelque chose que l'on ne peut pas acheter avec l'argent. Que l'on ne peut pas acheter avec l'argent. Aux annonces que l'on ne peut pas acheter avec l'argent. Tu as la bénédiction qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Allez, aucun soit babylon comme. On m'a attendu dans mon salon Nzambe boy. Na kokyo la la pongi pe jour mon attend à priété. Na lali pongi pe na lali pongi bien. Après ce ok simba. Babloko mola la pongi. Ce qu'on zambe pe na kibo danger na po obé la vraie liboma. Après si moi na le laka de 2h 3h. Ce qu'on yonga na pe sans ce alobi yo po onction na yo za la bien. Yo il faut o la la de 2h ti. Tala paternité za na makila. Ata inge ya bébé voisin. Na inge ya bébé na yo. Ezaka ya bébé na yo. Oyo ra inge o Eza ngai. Sko ola mkabwe na deze ulio mema bebe uko miga. Shambote. 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 Wako mfungole langa. Fungole langa. Wapa banjo landa yo. Hey. Shambote. Shambote. Dimash boye kana egizwe. Bumonika pastel bo segli. Shambote. Boye. Boye. Ne perds pas ce que tu as à cause. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Je déclare que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Cette dimension, on l'atteint quand on devient mature. C'est dimanche, je viens déclarer que la mort.
dimension de la bénédiction avec la maturité. La maturité. Et que le Dieu de grâce te bénisse. Mettez la carte à voisin. L'on a une décision. L'on a une décision. Dans une décision maturité. Dans une décision maturité. Tant que tu vas prier, je vais prier. Tant que tu vas adorer, je vais nous en. Tant que tu vas avoir l'enseignement, je vais nous en. Dans la bâtiment de l'église. Tant que tu vas prier, tu vas prier. Tu vas adorer, adoré, vas adorer. Si tu es à côté de l'endroit, pasteur, tu vas faire des choses qui sont bien. Tu vas pasteur, tu vas faire des choses qui sont bien. Tant que tu es neutralisé, ça va être paralysé, fait quoi? Neutralisé. Tu vas faire des choses. Pasteur, tu vas faire des. Ah, c'est la cas éternellement, éternellement. Ce soit contre l'andaku, passé. Mousselegeta contre l'andaku. Makale beba. Cantine beba. Nani place na nzamba bando benganga. Ozalaki, nzamba senga que je serai aussi réparateur de cantine. Alléluia. Mousse, papillon à côté na kiti. Nous avons préparé le matin à bien dégainer. Alléluia. L'église doit avoir des personnes. Mon pasteur m'a prêché sur ce dossier. Mon pasteur m'a dit, quand il y a quelque chose qui entre à la maison, je dois paralyser, je dois neutraliser, je dois prier, je dois ramachataya babababasa. Bien aimé dans le Seigneur. Même moi-même, je ne prie pas pour moi-même. Parce que yoba zwa ka dossier na yo, likale koti. Araignée. Ata toile d'araignée. Toile d'araignée c'est comme na ndako exact que bilor ozo fait. Pourquoi leka? Kanga ye comme ça ngana ya to boma ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et logo boye le kanini pas. Ya yeah. Oh responsable, oh bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, hein. Vous voyez ces gens, quand ils mangent, ils oublient que le pasteur est. Nani ayaka azoli asoso pasteur. Nana kati pemena kingo. Yo zwa lokolo. Mais allo ta soso na ndako. Yango moni ba place ya bana na bana église ya bana na bana batu ba olongwa ba kene ba départ sans pour autant faire quoi. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront. Balobi c'est les pasteurs, hein? C'est les apôtres, hein? C'est les bishops, hein? Vous imposerez les mains aux malades et ils seront. Na mutu pasi ya yoka nga fona imposer. Mais tant vous allez rien c'est ngoya to kabola. Voilà même à l'église, il y a des personnes où c'est oh. Quand quelqu'un est immature, à qui on a 5 personnes. Eh, pasteur, à comment 5 abadim? Le kosambon. Même à l'église, même dans les sacerdoces, on ne fait pas des blagues avec n'importe qui. Il y a des immatures. Au salinaye blague. À bambio, vinayo. Vinayo, pe, à bandi, pe, kopanza, mo, pe, pa, batunyo. Or, aye, bate. Que tu peux le demander quelque chose, mais c'est pour sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Maintenant, aide-moi. Dis à ton voisin, la bénédiction, c'est pour les matures. Dis à 4 voisins, la bénédiction, c'est pour les matures. Oh, dis à 4 personnes, la bénédiction, c'est pour les matures. L'oba, la bénédiction, c'est pour les matures. Le bas la bénédiction c'est pour les matures. Voilà pourquoi quand une église n'est pas bénie, le diable combat l'identité des gens. Boza église bat bo mon roi bo mikolo, mais en réalité comportement ya nani ya bana. Oza maman, un jeune est en train de te bouder, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Aza mwana yo boti. Aza mwana yo ko edike.
landa ye kanga na loboko vandisa ye loba eh na respect ba buda ka mama te na respect ba buda ka papa te so ki yo pose les décisions moni mwana wana ngai mbote na nga ko tikala ko zwa te bobilo no so boko mi bana na nani. Na passé na ko tikala jamais ko zwa décision moni mon dimiana na ko kipe te na ko kipe yo. Nako kipe yo. Au monitant que tu es dans cette église, nako kipe yo. Y a besoin de voisin pasteur, ako kipe yo. Ako kipe yo. Loba nako kipe yo. Nako landela yo. Po babengi onan. Babengi yo brebi. E nga na zanani. E nakati ya troupeau. Berja salanin. Alandela banin. Ba brebi. Na yoki obundi libanda na koyebi se lorote oyeka dimanche moko na chelo kitia yanke oyo bozomona akomi kobunda libanda oyibi mbongo na ndako votre mama vient t'accuser na bengi yo na suspendre yo. C'est comme ça que nous on a atteint la maturité dans les choses du Seigneur. On peut t'accuser à l'église et l'église peut salinini et peut sur sanction. Bobano bovan bazoyo ki la suba papa te bazoyo ki la suba mama te eza question nini yo kasko yo pe papa mwana sali mabe mwana sali chambre o banzo. La Bible dit la folie kumbwa basende pesa ngoko monsieur Nicolas. Au salaire, parce que moi, ce que je peux t'offrir, c'est seulement de l'eau et les jus. Tellement que l'on met là-bas, oh, on met là. C'est qu'on a mis hein? Parents, aidez les enfants à devenir des matures et non à devenir des bébés éternels. Il y aura des choses dans la vie, ils doivent apprendre par eux-mêmes. Le Seigneur, en chassant Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il ne les a pas appris comment couper le cordon ombilical. Il y a certaines choses tu vas apprendre dans la vie si toi-même tu deviens mature. Quand tu es un enfant, tu as des enfants que tu as expliqué tout. Botan, papa, pourquoi on doit étudier? Bosa, pourquoi on doit faire ça? Même à l'église, on dit arrêtez avec les mauvaises vies. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Donc, arrête, fais quoi? Parce que conséquence n'a pas. Et ça la kama bébé, ça la kama néfaste. Maintenant, les enfants, quand ils ne veulent pas grandir, si le pasteur dit, Boti kama soum, biloro nini yana zolo belabiso, nandela ma soum, c'est nini. Et ça la kama. Je comprends très bien. Clique mon kona katia Facebook, et ko komiso pornographe. Yosko place au Monika Batu, ba Fandi, ba sala baka, allez, yo wano c'est nini. Ou clique. Et puis, page n'a pas eu tel frère, yo frère, a aimé telle page. Yo en a un bout tout ce que le roi, moi qui zègne, moi on a sadra. Oye, bah, t'es que malédiction à ma. Après l'église, on a eu les portes d'accès à quoi? Yo, porte d'accès, n'est-ce pas formulé le porte d'accès? Et ça, question nini. Bandaga go prier. Ce qui va personne prophétie que toi tu es une grande dame. Toi tu es un frère élevé. Bando prier, Seigneur, donne-moi la maturité qui correspond à cette bénédiction. Tela batu mususu. Nzamba pesho $100 pour banda faire. Yo ok beta winner bet. Allez, au kati papier. Au komolo banga na chance te na vie. Ta tellement bonne.